tu rentres dans la cuisine, c'est juste comme ça. Après, tu fixes comme ça. Le plus moche du monde couche avec l'homme le plus beau du monde. Du coup, c'est vraiment visé sur les mecs. Pour les meufs, ouais, c'est vraiment genre. C'est... Bah, pour les meufs, y'a pas de dilemme, je pense. Bah oui, y'en a pas du tout. Moi, je pense que je coucherai avec l'homme le plus beau du monde. Ouais. Mettre du rouge à lèvres, la mettre dans des lèvres rouges. Bah. C'est juste un jeu de mots de merde, là, c'est même pas. Ouais, c'est même pas un dilemme. Vas-y, mais gros, trash interdit moins 18 ans, c'est juste des gamins. Genre, tout à l'heure, y'en a eu quoi, éjaculer du caca. Non, attends. Un épidémie de gastro, le dernier paquet de Malteser pendant l'apocalypse. Pourquoi le dernier paquet de Malteser pendant l'apocalypse? Mais pourquoi? Malteser, il est d'accord, c'est des petites boules au chocolat. Oui. Et traîner pendant toute ta vie à poil sur tes bouts de verre avec du jus de citron dessus. Quoi? Être dans une cuve pleine de citron et de gros sel avec des grosses coupures toute ta vie. Le premier, le jus de citron, il est sur toi ou sur les bouts de verre? Sur les bouts de verre. Ah, mais ça fait mal, dans tous les cas, c'est horrible. Saute à... Oui, mais en fait, il y en a un. En fait, il y en a un où, genre, tu vas avoir des irritations parce qu'on te traîne par terre en plus. Du coup, tu vas avoir encore plus mal, alors que là, c'est vraiment juste du suffer. Mais dans tous les cas, la cuve, tu t'habitues au bout d'un moment, alors que te faire l'autre, traîner, ça te traîne. Mais puis même, au bout d'un moment, ça fait des irritations et genre, ça fait comme un grappin fromage, genre, tu te frappes par terre. Quand te chatouille tous les soirs avant de dormir. Les différences. Je suis content que c'est de gauche à droite qu'on l'a eu ça parce que vraiment ça fait. Avoir de la peau vert fluo. Mais c'est bon, ils abusent. Ah, ils avaient plus d'idées. Je suis mis avec un pire nom. Ça y est, c'est bon. En vrai, il y en a un où t'as plus de chances de situer. En gros, c'est quoi? Genre, tu te fais enculer ou par Père Noël ou par Rudolph? Oui, sauf que par Rudolph, tu peux courir. Pas mieux de la montagne. Non, non, gros. Tu te fais Rudolph, il peut voler, mais non. Rudolph, je suis jusqu'à la fin des temps. Rudolph, il court et je suis sûr qu'il a une plus grosse top que le Père Noël. Hein. Tu prends un fusil à pompe. Il lui baisse sa mère. Après, t'es coincé comment dans la cheminée? Genre, t'es coincé parce que t'es descendu dans la cheminée? Ou est-ce que genre t'as juste mis la tête comme un con? Dans tous les cas, t'es bloqué. Dans tous les cas, le problème c'est pas que t'es coincé, c'est que tu vas te faire enculer par le Père Noël. Non, mais imagine t'es coincé en essayant de descendre. Genre, j'ai envie de dire, imagine t'es droit et ton cul il est face au mur. Il peut pas te reculer. Ah, il trouvera un moyen, ce Père Noël. Gros, la magie noire. Ouais, gros, de toute façon, l'énoncé il y a écrit avec un Père Noël qui a envie de te prendre le cul. Donc il va trouver un moyen quitte à casser la cheminée, gros. Oh, oui, moi j'ai juste envie de mettre ça pour essayer de voir si je peux essayer de fuir, frère. Comment ça pour essayer de voir? Tu crois que tu vas tester après? Ouais, après, justement, on a derrière là, on a la reine. Mais... Elle est même pas drôle celle-là. C'est... Attends, comment ça pénétrer un nid de fourmis rouges? Mais c'est quoi? Mais c'est même pas un dilemme, c'est où tu baises. Vas-y, mais c'est quoi ce dilemme de merde là? Putain! Manger de la merde, évidemment, tous les jours. Ah, ils avaient plus l'idée. Non mais gros, c'est bon. Ils ont give up. Enculer ton meilleur ami. Oui frère, l'attaque. L'attaque, c'est l'attaque. C'est un god brawl. Quoi? Je pète avec un... Il a quand même choisi Super God, hein. Il a pas fait question suivante. Lécher le cul de ta vieille voisine, te faire lécher le cul par ta vieille voisine. Ah gros, je touche pas à ça, hein. Moi, je préfère me faire lécher de la rondelle. Attends, tu préfères te faire lécher la rondelle plutôt que de voir le... Ah ouais, moi aussi. T'imagines les horreurs que tu trouves dans une vieille voisine? Ok, ah ouais. On va penser au fait que genre, ouais, elle se lave les dents. Du coup, ouais, y a moins de bactéries chez des yeux. Te faire mordre le sexe. Ah, les deux, ils sont horribles en vrai. Vous en pensez quoi? Génial. Donc, humain, c'est décevant là, ce que je pense. On déçoit toute la génération qui nous ont précédés. Bon, toute l'histoire de la Terre pour arriver à ce moment-là où on a des problèmes. Pas comme si la Terre, elle surchauffait, où on avait des problèmes politiques, économiques. Non, nous, c'est ça qui est important. Pourquoi pendant 2 ans on n'a pas trouvé le vaccin du coronavirus? On a la réponse. Éjaculer du caca. Je sais pourquoi ton chat il grimpe. C'est mort, mais il a... Ton chat il mange le mur. C'est un escaladeur. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce que c'est le pire. Avec ça, tu peux avoir des hémorragies. Mais gros, te faire mordre le sexe, c'est comme ça fait mal. Tu t'es jamais pincé une couille, genre juste en grattant? Je me suis cassé le frein. Ouais, tu t'es cassé le frein, mais enfin, tu t'es gratté, ça a juste saigné, ça t'a pas fait mal, si? Bah, ça a fait un.
Ah ce bruitage, ça l'a rendu pire. J'ai appris des trucs dans les couilles, quand même, le chat a pris des coups. Non, mais gros, un coup dans les couilles et se faire mordre les couilles, c'est pas la même. Oh, bah, non, ah, t'as non, plus de chance de rester en vie. La question, hein, je te fais pas ça trop fort. Avoir un pénis au milieu du front, inverser ton anus. Oh non. Ça veut dire que tu parles par le cul. Je mets ça et je mets un bandana, frère. Bah, gros, pourquoi tu crois que j'emporte? La première, je suis désolé. C'est qui les écrit ces trucs? Genre, moi, je me sens dansé. Gros, après, fais-en une normale. Enlève le trash après. Voir, genre, la comparaison. Elle est super. Tu préfères l'SDF, toi? Ah, tu préfères les 10 mecs, toi? 10 mecs, frère. Oh, c'est tellement nul. C'est mon. Allez, on va retourner au. Ah, mais on revient très vite. Faire enculer, ouais, exactement. Allez. Perdre un million d'euros. J'en ai pas. Je peux. Ah, merde, du coup, t'es endetté. Je vais mourir. Je préfère mourir que me faire enculer par un cheval. Non, mais moi aussi. Mais. L'attaque. L'attaque, toujours. Enculer un mec. Avoir les deux testicules dans deux bourses séparées, avoir les testicules au-dessus du pénis. Gros, les testicules au-dessus du pénis, ça doit être tellement drôle. Genre un canon. Genre un litre de sperme, genre un kilo de merde. Il est trop laid, ce fils de pute. Oh, pêcheur, il est malade sa mère. Franchement, vas-y, je vais prendre Elephant Man, comme ça je serais même pas triste, je serais même heureux, je pense. Je serais content pour lui. Ouais, ça, elle revient en courant. Gros, le dalmatien, il s'en bat les couilles, il a d'autres dalmatiennes. Elephant Man, il aura probablement que cette meuf. Faire couper ton organe sans anesthésie, boire la chiasse de ton père, mais c'est... Mais en fait... Disons qu'il y en a un... Qui est juste sur une durée, quoi. Mais en fait, je vois pas ce que ça change que la chiasse soit à ton père. Non, mais au moins, tu peux vérifier ce qu'il mange, quoi. On s'en bat les couilles. Ah, super, super. C'est vraiment ça, le souci. Hein. C'était ouais, ce qu'il avait mangé. L'autre, genre, c'est pour toute ta vie, quoi. Ouais, bah, je bois la chiasse. Hein. Tu te passes le nez. Non, mais même te passer le nez. Tu fais ça en une gorgée, c'est bon. Je sais pas ce que c'est une Blue Waffle, mais bon, pour l'autre... Marque Blue Waffle sur Google. Blue Waffle. Marc Malabi. C'est un truc au pénis. C'est un truc à la chatte. C'est quoi ça? C'est un cul d'un cochon, ça. Non. Voilà, c'est ça, un blue waffle. C'est quand ta chatte, elle devient bleue. Gros, c'est comme... comment il s'appelle le fromage, là? Le roquefort. Du gorgonzola, voilà. C'est bon, là, c'est bon, là, il y en a un, vraiment, il est... Mais il y en a un, surtout, tu peux mourir, quoi. 4 kilos de farine. C'est énorme, 4 kilos. On s'en rend pas compte, hein. C'est qui l'américain survivant, là, qui mange des insectes et coutou, qui est trop fort, qui dit que... Voilà, lui, bah, tous les soirs, tous les matins, il le boit, son bol d'urine. Et il est vivant. Il l'a fait, en moment. Il se rend pas compte que... Il se rend pas compte, déjà, de la farine, hein, par contre. Mais il se rend pas compte que c'est 4 kilos, surtout. Avoir une tête de bite, mais la plus belle des bites. Avoir une tête d'homme, mais le plus moche des hommes. Frère, t'imagines, t'es un zizi qui marche. Mec, t'es pénisman. Ça nous concerne pas, boys. Ah, mais attendez, mais j'ai pas de vagin. Think, Marc. Alors, disons qu'il y en a un qui peut être pratique dans les activités à plusieurs, l'autre il est juste chiant. Non, dans l'autre, juste tu chies deux fois plus vite. Mais oui, c'est un double bear, c'est comme les fusées à pompe là. Être polyvalent et pouvoir bosser avec plusieurs personnes ou le speedrun. Bon, la première. Imagine, t'as quelqu'un qui s'attend à que tu en sortes un et là tu en sors deux. Oh, boire un bol de pu. Disons qu'il y en a un, c'est maladif et l'autre c'est juste humiliant. Comment tu regardes ton père dans les yeux après? Il y en a, ça va beaucoup plus vite. Ça c'est un litre. 5 litres. 5 fois ça. 25 centilitres, ça passe vite. Tu bois, après tu le fais, allez, nique ta mère. Non mais. Ouais, mais j'ai pas de patron. Think, Marc. Mais là, il y a Pôle emploi le 30. Imagine, il a la bite qui pue en lui. Ah non, putain, mais. Ah, putain, mais. La con de ta mère. C'est vraiment le souci là. Non, mais... C'est ça le problème. C'est qui Katsumi? C'est une asiatique. Non mais recherche pas ça en... Mon ref, c'est une actrice de cul, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non mais je fais des recherches. Moi je préfère socialement parce que sexuellement parlant c'est mille fois plus simple. Dans le sens où tu peux en parler avec la personne ou alors juste toi tout seul. Je pense pas que je pourrais atteindre la deuxième si j'arrive un peu à atteindre la première. Les refs, je reviens, je vais aller dans une perche. Je reviens, je vais juste aller pisser parce qu'en fait depuis bientôt 30 minutes je me retiens. Moi je vais me brosser les dents. Et au fait les copains, je peux vous dire un truc? 2 minutes avant que vous quittiez. Ça fait 26 minutes je filme. Yeah. Goodbye.